Oh. Comme vous le savez, la dernière fois, nous avions assisté au tournoi des Raid Boss. Mais qu'est-ce qui se passerait si moi-même, le créateur de ces Amiibo, de ces Raid Boss, je les combat? Alors, je me demande qu'est-ce qui va se passer, car ils ont été fortement entraînés. Et sachant qu'ils ont plus d'attaque et de défense que moi, donc du coup, ça va être très chaud pour moi. Mais nous allons voir si nous serons de taille pour relever le défi. Et voilà, donc nous commençons avec mon Nemesis, Tylan74, qui a malheureusement perdu contre Wally au premier tour. Mais bon, c'est pas grave, il a quand même fait un bon parcours, même si c'est rien du tout. C'est déjà bien pour un amiibo. Enfin. Et voilà, et en même pas deux coups, il m'a mis 62 dégâts. Et le son des criquets qu'on entend en fond là, c'est satisfaisant. Sachant que moi, j'entends pas de musique. Là, je pense qu'il est mort. Là, il est mort. C'était violent là. Bon. Désolé, mais tu dois remourir. Ah, j'aime tellement ça, les spikes de Mario. Tellement satisfaisant à voir et à faire. Ah non, c'est raté là. Oh. Bon bah. J'espère que t'aimes voler. Hein. Oh, le parage. Ah, bon bah. Ça y est, première vie prise par Tylan74. Ouf! Je l'enchaîne sur des trucs là, mais ça fait mal. Et voilà, lui il fait un tout petit. En un jab, il a réussi à mettre 22 quand même. C'est un peu abusé là. Je pense qu'il se venge de ce que je viens de lui faire tout à l'heure. Il a carrément sauté dans mon F-Smash là. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon. Tout ce que c'est que mon Nemesis a perdu. Parce que c'est moi le vrai Mario. Le vrai Tylan surtout. Mais en même temps, qui peut battre les originaux? Quelles copies peuvent battre les originaux? Bon. Voilà, nous enchaînons notre deuxième combat contre One Kick Man qui commence déjà à me faire la misère. Et là, il allait perdre une vie. Bêtement. Enfin, non, pas bêtement, puisque c'est à cause de moi. Et moi, je suis déjà à 145 dégâts. Quand je vous disais que ces amiibos, là, ils sont capables de tout, c'est la vérité. Enfin, ce sont peut-être des amiibos, mais je préfère dire que ce sont des raid boss. Et voilà, moi, je me... Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà, le gros coup de pied qui fait mal là. Combien de parages il a fait là? 3. Ah oui, alors ces amis sont presque impossibles à toucher parce qu'ils font que de faire des air dodge. Et ça aussi j'en ai un peu marre. Alors que pourtant je les ai pas du tout entraînés à faire des air dodge. Donc je sais pas comment ça se fait. Ah bah voilà. Fallait qu'il meure après combien de temps là, de secondes, de minutes plutôt. Apparemment, les caps ne lui fait rien.
handicap ne lui faut rien. Là, je t'ai carrément attrapé là. Oh, ok. Je sais pas ce que mon Mario a fait là, mais bon. C'est vraiment la chose la plus bête au monde, sûrement. Et ce que vient de faire le One Punch Man est sûrement la chose la plus bête au monde 2. Qu'est-ce qu'il vient faire encore là? Ouh là là, le combo! Oh bah lui, voilà, il casse tout. Comme d'habitude. Casseur de combo. Mais par contre, qui aime aussi les combos. Hein. Wow! Le up smash! Je sais pas comment j'ai fait pour gagner avec 150 PV, 150 dégâts, mais bon. Qui aurait pu faire ça? Ah, que des souvenirs avec Wally, notre finaliste qui est arrivé en finale mais qui est arrivé deuxième face à Diddy Duck. C'était quand même une bonne performance de la part de Wally. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait du bon boulot. Premier tour d'ailleurs face à Mario, enfin Tilin 74 plutôt. C'est l'heure de venger Tilin 74. Oh, c'est magnifique. Tiens. Ah, dommage. Oh. Mais comment il arrive à faire les One Tech? Enfin, je sais comment on fait, mais... dire comment il arrive à en faire plein. Il arrive bien à les faire, surtout. Normalement, quand on a beaucoup de pourcents, on peut pas très bien les faire. Enfin, il a l'air de bien s'en sortir pour les techs. Ah, voilà. Ouh, le spike. Et après le up smash. Waouh. Son bravo Wally. Il s'améliore de jour en jour. Il fait 34 de dégâts le... Bon, franchement c'est abusé là. Je pense que je les ai trop nourris là. Regardez ça, il fait ça tellement bien. Ah ah. Ah bon bah c'est dommage pour Wally, c'est pas grave. Oh oh. Oh le double spike. C'était vilain de ma part, c'était vraiment immonde. Oh je suis un monstre. Bon bah il est temps de passer à Meowth. Meowth qui est... Je sais plus s'il a perdu au premier tour ou pas. Je pense que si, il a perdu au premier tour. Hein. Oui, oui, il était contre type. Donc oui, oui, il a perdu au premier tour. Mais bon, c'est pas grave. Lui aussi, il a fait de bons... Il a fait de bons, comment dire, progrès. Puis les fois où je le regardais et que je l'entraînais. Ok, là, je sais pas ce qu'il a fait, mais... Il a couru, enfin il a sauté vers mon enfin side smash. Bon bah là ça fait un partout. 32 dégâts en un. Regardez tout ce qu'il fait. Oh, 110 d'un coup. Enfin 110 d'un coup. En plusieurs coups, mais voilà, vous m'avez compris, j'espère. Ah. Oh là là. Ça annonce mal. Yo. En plus, je refais trois fois la même attaque. Non, mais franchement. Franchement que j'ai vraiment peur de rater. Hein. Bah voilà. Là, c'est mieux.
Je reste au sol. Oh oh. On essaie quelque chose, allez. Oh, Miss Fire, mais malheureusement je l'ai raté. Oh, encore un autre. Oh, c'est passé. Waouh. Non, bah, c'est vraiment la chance alors. Encore une fois, c'est vraiment, c'était vraiment la chance, hein, ce que j'ai fait à Mewtwo. Je suis désolé, Mewtwo, mais bon, t'auras ta chance une prochaine fois. C'est parti pour Bikake. Malheureusement, Bikake qui a perdu au premier tour, qui me fait souffrir. Tellement il a souffert que là, il a récupéré son énergie et il la déchaîne sur moi. Sauf que moi, je ne suis pas un punching ball. Non! Aïe, 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 ça pique! Ça doit faire mal pour Luigi, là. Moi aussi, je le sens. Enfin, non, c'est faux, je le sens même pas. Alors, vous pouvez m'expliquer comment il a fait pour tech? Alors que c'était une attaque vraiment très puissante qui fait mal. Bizarrement, je me suis arrêté à 69 dégâts. Franchement, maintenant 96. On a juste inversé les chiffres de place. Oh là là. Je suis en train de me faire massacrer par une petite souris. Il va juste rajouter un peu d'électricité. Okay, je sens que je vais me faire bicaquer comme un malade. Mais qu'est-ce qui me fait là, le Luigi là? Bon, on dirait bien que c'est pas l'année du Luigi, hein. Oh, j'ai peut-être une chance. Oh, le spike. Attention. Et voilà le up smash qui passe. Il était vraiment super coriace, celui-là. C'est pas grave, Luigi l'a maltraité comme un malade. Maltraitance animale, mais je m'en fiche. Ah, le fameux Fireboy. Celui qui a perdu au premier tour contre le One Kick Man. Bon, c'est pas grave, il avait quand même fait une bonne performance. Mais bon, après, tous les débuts ont une fin, comme on dit. Grave, il y a un début à tout. Bien essayé, enfin c'était bien essayé alors qu'il a réussi. Ah, il m'a sauvé la vie. Je sais pas comment j'ai fait pour le rater alors que c'était une petite attaque comme ça. Oh, quoi, comment j'ai pu le rater? Ça, c'est vraiment méchanceté. Ah, voilà. Là, il a sauté dans mon petit coup de... Je sais même pas comment ça s'appelle. On essaye Miss Fire, même si ça va jamais marcher. Et voilà. Deuxième vie enlevée. Ouh là là, le parage. Alors là, il allait risquer sa vie pour venir me edgeguard. Mais malheureusement, ça ne servit à rien. Oh, c'était bien essayé, mais malheureusement, c'est raté. Au moins, j'aurais essayé. Waouh, il m'a mis à 62 de dégâts. Moi, je lui ai à peine mis un 10 de dégâts. Il va gagner.
Ace. Oh. Ouh. Ça doit faire mal de se recevoir un coup de... un coup de je sais pas quoi dans le ventre. Type qui est aussi un bon raid boss qui malheureusement a perdu contre Wally. Bon, faut dire que Wally est un adversaire redoutable aussi, donc ce n'est pas de sa faute. Bon, alors je sais pas quand il va mourir. Je sens qu'il va bientôt mourir là. Ah, qu'est-ce que je disais? Mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, il recommence. Moi, je ne m'ai pas appris ça, moi. Bon, d'accord. Ah, j'étais pris par surprise, hein. Ouf. Je pense qu'il n'était pas content de ce que je lui ai fait. Ah. Quand il arrive vers les 75%, c'est là que... il a quelque chose de bleu et voilà, je me suis fait emporter. Ouh, le ride. Je sais pas pourquoi je spamme ça alors que ça sert à rien. Oula, il faut recharger la batterie. Ouh, sinon elle va entrer en veille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais bien sûr, hein, il vient derrière moi. Bon, pour l'instant, j'ai perdu aucun match, donc je pense pas que je vais en perdre un maintenant. Ouh. Ça fait mal en tant que... ça fait mal à voir en tant que Pac-Man. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est mauvais. Ouh, le ride. Voilà ce que j'attendais. C'est ça que j'attendais. Du bon game de Pac-Man. Les gars, il est maintenant temps de se battre contre le roi des Raid Boss, Doggy Dog, ici présent. Nous allons enfin savoir qui de nous deux est le vrai boss. Nous allons montrer à ce chien et ce canard qui va régner ici. Voilà un stage digne du nom pour se combattre. Bon. Apparemment, j'ai pas été... je me suis pas fait avoir par son géant. Bon. Je me fais pas toucher, c'est bizarre. Pourquoi j'ai toujours... ah. Je me suis dit, c'est bizarre que j'ai toujours... en deux coups, j'ai déjà 62 dégâts. Comment il m'a touché? Sachant que j'étais en dessous de la plateforme. Il faut recharger, il faut recharger. Ah, t'as cru quoi encore là? Et que j'allais me laisser faire comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait... ah oui, c'est vrai, on peut pas passer d'une plateforme à l'autre en faisant ça comme dans le tout premier Smash. Quand on mettait notre bouclier et qu'on appuie vers le bas, on pouvait sortir de, comment dire, d'une plateforme, si je peux dire ça. Alors que là, on peut plus le faire. C'est dommage. J'y
perdu une vie pour rien. J'ai pas fini avec toi. Tu restes là-bas. Bon bah voilà, c'est encore mieux. Faut pas oublier ses projectiles, faut pas oublier que Doogie Duck adore camper, enfin camper, attaquer et spike. Ok. Ah ah, je l'ai vu venir celle-là. Pourquoi je fais que drôle alors que j'essaye de courir, puis après d'essayer de l'attraper. Voilà, bon ben. 23 dégâts en un coup. Waouh. Ah non, tu recommences pas avec tes trucs. Oh oh, je sens que je vais mourir. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'allais dire, va-t-il mourir? Oh, et le spike! Le spike qui l'emporte! Yes! Bon, bon. Nous savons maintenant qui est le chef ici. Et c'est Inkling, aka Tilan64. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, je sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, vous le déciderez. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup, et à liker. Et sur ce, on se dit à très bientôt.